aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un tag. Donc c'est le Yumi tag. Je l'ai vu sur la chaîne de DJ que je vous mets en barre d'infos. Elle l'a repris de quelqu'un, il me semble. Donc c'est un tag sur la nourriture. Donc on commence sans plus attendre. Donc plutôt sucré ou salé. Donc je suis quelqu'un de très salé. À choisir entre un paquet de chips et un paquet de bonbons, je choisirai le paquet de chips. J'en mange des bonbons et des gâteaux, mais je suis pas très très fan. Par contre, en boisson, oui, je suis très sucrée, donc voilà. Quelle est ta deuxième question? Quelle est ta boisson préférée? Donc ma boisson préférée, c'est le Coca-Cola et le Sherry particulièrement. Troisième question: McDo, Burger King ou aucun des deux? Ben McDo parce que Burger King, j'en ai pas du tout. Donc voilà. Question numéro 4. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies mangée? Étrange. C'est pas étrange, mais c'est des choses que des personnes n'aiment pas. J'aime les tripes et j'aime le foie. Pas à outrance, mais par contre, tout ce qui servait, le petit cochon, on fait tout ce que vous voulez, c'est beau. Non. Donc voilà. Quel est ton dessert préféré? Ben, mon dessert préféré, j'en ai pas. Enfin, qu'on fait maison, j'en ai pas. Mais sinon, j'aime beaucoup les viennois de Nestlé où ils ont deux couleurs en fait, à la chantilly et au chocolat. C'est trop bon. Quelle est la chose que tu détestes le plus manger? Donc, la chose que je déteste le plus manger, le fenouil. J'aime pas le. Je déteste le fenouil. C'est pas bon, enfin j'aime pas. Question 7, plutôt chocolat noir, au lait ou blanc? Alors je suis plus chocolat au lait, mais je déteste pas le chocolat noir. Et le blanc, moi, je trouve trop gras. Donc voilà. Quels sont tes bonbons préférés? Donc malgré que je mange très peu de bonbons, mes bonbons préférés sont les schtroumpfs. Voilà. Si tu devais manger le même plat chaque jour, lequel choisirais-tu? Donc, si je devais manger un plat tous les jours, ça serait les nouilles japonaises de chez Nissin ou Nissin que j'achète, poulet teriyaki. Alors ça, je pourrais manger tous les jours. C'est juste trop, trop, trop bon. Donc, voilà. Avec ou sans patates? Et bien les pommes de terre, à part les frites, enfin les pommes de terre, je suis moins fan que les pâtes. Mais j'en mange, donc je dirais moyen. Pas avec ni sans, donc moyen. Quelle est ton odeur? Ah non, question 11. Quelle est ton odeur préférée en cuisine? L'odeur des crêpes et des gâteaux. Même si je suis pas très sucrée, l'odeur des crêpes et des gâteaux, c'est juste une tuerie, j'aime trop. Que sais-tu le mieux cuisiner? Alors le mieux cuisiner, je sais pas, il faudrait demander à mon chéri. Donc je vous mettrai une petite annotation de ce qu'il pense là. Et mais après je cuisine pas mal de choses, donc ça t'a un vocable, je sais bien le faire. La blanquette, les sautés, les tomates farcies. Les tomates farcies, je pense que ça serait le mieux faire. Enfin, quelle est la question 13? Quelle est la gourmandise dont tu ne peux pas te passer? Alors c'est pas une gourmandise, comme vous allez vous dire, c'est pas une gourmandise sucrée, c'est une gourmandise salée. J'adore manger la mozzarella comme ça. J'adore, c'est trop bon. Celle en rectangle là, c'est trop bon. Alors, question 14. Plutôt café, thé ou chocolat chaud? Ben, chocolat chaud sans hésiter. Alors ça, c'est mon péché mignon. Tous les matins, je bois mon chocolat. Donc voilà, j'aime trop. Le thé, j'en bois de temps en temps, mais je suis pas hyper fan. Et le café, pas du tout, quoi. Donc, voilà. 15. As-tu fait des mélanges culinaires bizarres? Tremper mon pain dans la compote ou dans le yaourt. Manger de la confiture avec mon fromage, mon camembert, mon brie, enfin tout ce qui ça. Après, non, je vois pas. Donc, pour ce tag, je vais taguer les Tigetti, Hélène LC, Karine Miss Boop, Le Monde de Marine et Happy Together 17. Voilà, donc les filles, enfin je force personne, hein, si vous voulez pas le faire, vous les faites pas, mais bon, je trouve ça sympa quand même.
Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.